Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'Elimination Chamber Match pour le titre de la WWE, donc puis à Elimination Chamber forcément. Et c'est vous qui aviez en quelque sorte déterminé les challengers au titre de Goldberg, qui sont André le Géant, Brock Lesnar, The Miz, John Cena et Roman Reigns, évidemment face à Goldberg, je le redis, dans l'Elimination Chamber, la dernière épreuve finalement avant WrestleMania. Il y aura un autre match que le match de championnat pour WrestleMania, mais faut que je choisisse quoi, tout ça. Enfin bref, on est là pour ce match, on va essayer de faire en sorte qu'il soit beau et surtout qu'il soit, qui détermine qui affrontera Randy Orton à WrestleMania, puisque Randy Orton avait gagné le Royal Rumble, évidemment. Donc ça lui donnait le droit d'aller au main event de WrestleMania, il ira. Mais face à qui? Est-ce que Goldberg gardera son titre ou est-ce que ce sera un autre challenger? Et dans ce cas-là, ça sera un triple threat match, puisque Goldberg aura le droit à un match revanche, évidemment. Donc on verra ça tout de suite, évidemment. Je contrôle Goldberg, c'était choisi au hasard, bien sûr. Et on est parti, je ne sais pas qui c'est qui commence. C'est The Miz face à André le Géant, une différence de propos. Et de style et du droit d'André le Géant qui assommait le coup de tête. Voilà, The Miz déjà au sol, mais c'est pas étonnant face à André le Géant qui avait fait une bonne sensation dans le match pour la participation. The Miz coup de pied, je rappelle que c'est pour le titre de la WWE, pour le main event de WrestleMania, évidemment. Ce n'est pas à ignorer. Et André le Géant qui arrive, voilà, qui se cogne face au Miz, c'est moisi, c'est l'IA, tout ça, prise de tête. Attention, et là, gros coup de coude dans la face ou dans le buste de The Miz. Qui je pense aurait préféré commencer, ne pas commencer justement. Enfin bref, The Miz passé derrière, il va les retrouver devant avec la puissance d'André le Géant. Ça c'est un énorme avantage hein, d'André le Géant, sa taille, sa force, la prise de tête. Et déjà une nouvelle superstar qui va arriver, André le Géant dans le coin. The Miz qui a réussi à le... Et voilà, il se fait contrer. Attention André le Géant, le splash sur The Miz. Et c'est Roman Reigns qui va rentrer dans le ring, un autre à toute puissance vitesse qui va arriver. Attention, et regardez André le Géant qui est en pleine domination, en pleine confiance là. Regardez-moi ça, il continue, il s'attaque aux jambes du Miz. Pourquoi? Je sais pas, mais peut-être pour l'empêcher d'aller vite, puisque André le Géant ne va pas forcément très vite. Et Reigns qui aide André le Géant et la double suplex sur The Miz. Tout ça pour le titre de la WWE, évidemment. On voit Goldberg en haut à droite. Attention, le surpassement sur André le Géant. Magnifique de la part du Miz. Front face lock. Et Roman Reigns qui va aider le Miz. Du coup, là, c'est plus... Oh, regardez-moi ça! Oh, magnifique! Samoan Drop DDT. Magnifique, hein, cette prise tag team. Et regardez-moi ça, voilà. C'est du 2 contre 1. C'est ce qu'il faut hein, contre les Géants. On a asséné André le Géant de droite. Et une nouvelle superstar qui va arriver. On va se retrouver à 4. C'est vrai que ça arrive trop vite, hein, selon moi. Et Roman Reigns qui a connu le grillage de la cage. Et le voilà, John Cena qui va rejoindre les trois autres compétiteurs. Il ne reste plus que Brock Lesnar et Goldberg. Autant dire que du début à la fin, il y a du beau monde. John Cena face à Roman Reigns. La souplex sur Roman Reigns. Elle est bien placée. Attention, le Miz. Miz Line sur André le Géant. Ça y est, les groupes se sont formés. John Cena, la back suplex sur Roman Reigns. Il commence déjà à légèrement dominer John Cena, tandis que le Miz reprend l'avantage hein, sur André le Géant. C'est tant mieux pour lui. L'enfourchement à André le Géant qui revient. La différence de volume de la part entre André le Géant et le Miz, c'est horrible. Le Miz sur la troisième corde et ouf, la Témi, voilà. Il s'est fait avoir. Attention, regardez en haut à gauche. André le Géant, le shock slam de la troisième corde. Ah, le Miz qui a eu un mauvais tirage en arrivant en premier. Le surpassement. Une l'avant-dernière superstar qui va rentrer dans ce match. On va être à 5 et c'est Brock Lesnar qui arrive maintenant. Backbreaker sur le Miz. Et la belly to belly sur Roman Reigns. On est à 5 maintenant, donc là, ça a changé un petit peu la donne. Puisque, évidemment, ce n'est plus du 1 contre 1 en deux groupes. Oh, reverse atomic drop, là. Toujours John Cena face à Roman Reigns. Par contre, Brock Lesnar essaie de s'attaquer à André le Géant. Et il y arrive, German Suplex. Et la belly to belly encore sur Roman Reigns. Et là, c'est Domi qui s'attaque à Brock Lesnar. Prise de tête. Attention, Atemming avec... il a retenu Brock Lesnar, André le Géant. Regardez Roman Reigns qui punch John Cena et qui le met à terre.
Quel enjeu hein, dans ce type de match. Et justement, on va accueillir le champion qui entre en dernier, le champion de la WWE, Goldberg. Et regardez, André le Géant qui bourrine de mise et la droite dans le dos. Et voilà, Goldberg qui arrive. Attention, Brock Lesnar face à John Cena, coup de pied, prise de tête. Et non, je... Oh, Roman Reigns envoyé dans la cage directement. Magnifique. Attention, on envoie John Cena dans le coin opposé. Brock Lesnar, coup de la corde à linge. Il était méchant celui-là. Coup de pied esquivé, Roman Reigns et Goldberg qui sont à l'extérieur. Et Goldberg qui se fait envoyer dans la cage. Oh, magnifique flapjack. Et encore. Et encore Goldberg dans la cage. Il fait que contrer. Attention, Full Nelson. Oh, magnifique. C'était Full Nelson Facebreaker. Autrement dit, un Skull Crushing Finale en la personne. Enfin, si on parlait du Miz, mais c'était Roman Reigns. Oh là, belly to belly overhead suplex sur John Cena. Difficile à commenter hein, quand il y a 6 personnes en même temps. German suplex sur John Cena. On le sait, on en a vu. On sait comment ça se passe maintenant entre Brock Lesnar et John Cena. Et ça y est, tout le monde est revenu dans le ring, le surpassement. Attention, coup de coude. Coup de coude, pas de nouvelles de German suplex hein, sur John Cena. Apparemment, il n'en veut plus. Oh, et entrée de géant qui vient de marcher sur Goldberg, sur le champion de la WWE. De Miz qui s'attaque à Roman Reigns. Ouf, on ramène John Cena au sol. Façon lutte amateur presque. Les coups de bélier sur André le Géant. Et Jawbreaker du Miz. On est reparti sur un John Cena Roman Reigns. Attention, John Cena qui envoie Reigns dans le coin. Mais Goldberg s'en occupe. Oh, belly to belly sur de Miz. Brock Lesnar. C'est vraiment partagé. Hein. Là, il n'y a pas trop de dominants. Ouais, ouais. C'est vraiment chacun pour soi. Voilà, le Miz qui revient. Il n'y a pas, de dominants. Voilà. C'est vraiment équilibré. C'est ça qui est bien dans ce genre de match. Oh, le coup de tête atomique là sur Roman Reigns. Coup de genou de John Cena qui résiste au champion de la WWE. Oh, Kanrana ! Magnifique la part de John Cena. Et John Cena qui matraque Goldberg au sol. André le Géant face à Roman Reigns. Roman Reigns, front face lock. Et il se fait mettre au sol. Attention, John Cena. Oh, et coup de pied sur John Cena. Roman Reigns qui se relève. Oh, la back suplex sur Brock Lesnar. Et oh, Samoan Drop sur André le Géant. Il l'a envoyé en l'air, notre ami Roman Reigns. Regardez Roman Reigns. Encore un autre. Samoan Drop sur André le Géant. Boum, la puissance de Roman Reigns. L'ex-membre du Shield. Et le coup de tête. Et ouais, c'est John Cena qui a connu la cage là juste à droite. Le swinging neckbreaker du Miz sur Brock Lesnar. Là c'est André le Géant qui est en difficulté légèrement. Et on envoie John Cena dans les cages. Attention. Et regardez André le Géant. Oh, magnifique, une sorte de following slam là sur John Cena sur la cage surtout. André le Géant qui a repris l'avantage sur Roman Reigns. André Géant, le big splash sur Roman Reigns. Il va être éliminé. On est à 1, 2. Et non, il s'est relevé. Ouh, Roman Reigns, il s'est relevé. Heureusement, avec le big splash d'André le Géant. Attention. Ouf. John Cena qui a rien compris là par contre. Ça y est, Goldberg qui revient. Attention. Oh, c'est le cafouillage. On comprend plus rien quand il y a plein. Et voilà, c'est Roman Reigns et André le Géant qui prennent le relais, qui vont de l'autre côté. La back suplex sur Brock Lesnar. John Cena qui a loupé son spear dans le coin, une droite de Goldberg. Tout ça pour le titre, hein, personne ne veut abandonner. Roman Reigns s'est relevé du big splash, mais ça l'a bien diminué. Attention, coup de pied. Ouais, le petit paquet oui, du Miz, j'avais pas vu. On est à deux. Et non, il s'est relevé. Regardez Brock Lesnar qui continue, qui enchaîne. Et on envoie Roman Reigns dans John Cena et dans le coin. Et regardez, attention, ouais, c'est bon. De Miz qui s'est relevé. Et qui remet le tombé. Magnifique cette combinaison. Non, c'est bon, c'était fini à 1. Et là, c'est Goldberg sur André. Il fait le tombé. Tout comme John Cena sur Roman Reigns. De Miz, la souplex avec maintien sur Brock Lesnar. Oh, le coup de la corde à linge sur Goldberg. Et Brock Lesnar qui se relève à moitié énervé. Coup de la corde à linge sur André le Géant. Et oh, le Samoan Drop sur John Cena. Et regardez le surpassement. Brock Lesnar qui lève André le Géant comme une plume et le Spinebuster sur André le Géant. Goldberg, Military Press sur le Miz. Power Slam. Oh, regardez, Brock Lesnar, la puissance, le Powerbomb sur André le Géant. Mais c'est pas le premier, c'est le premier sur 3. 2,
Et le dernier, la puissance, boum, André le Géant. Est-ce qu'André le Géant va capituler avec, après ses 3 powerbombs? C'est possible, hein, il n'a jamais été... ah non, c'est bon, il s'est relevé. Il n'a jamais été autant... autant manipulé comme ça. Et regardez, John Cena, le spin-out powerbomb. J'avais pas vu l'enchaînement. Bulldog sur Goldberg. Et le tomber sur... oh, et le surpassement. Oh, magnifique! Brock Lesnar qui a envoyé André le Géant en l'air. Il l'a rattrapé. Et le F5 sur André le Géant. Et regardez John Cena, John Cena sur Roman Reigns, ça vole de partout, attitude adjustment sur Roman Reigns qui s'est déjà pris un big splash, André le Géant, et il n'est pas éliminé André le Géant, il s'est relevé du F5. Et John Cena qui a éliminé Roman Reigns après son attitude adjustment, oh et le dropkick qui n'a pas touché de la part du Miz. Roman Reigns premier éliminé, ils ne sont plus que 5, c'est rare quand ça dure aussi, enfin non, quoique ça dure pas si longtemps pour l'instant. Si on regardait Goldberg, Goldberg à l'extérieur là sur la grille, Military Press, Spinebuster et de Miz qui doit avoir très très mal au dos. Oh, et Goldberg qui a attrapé John Cena, la front suplex dans le ring. Et on revient dans le ring. Et c'est Brock Lesnar face à André le Géant. André le Géant qui a déjà pris un F5 dans la face. Belly to belly overhead suplex. Il manipule André le Géant comme il manipule n'importe qui. Brock Lesnar le tombé. On est à... Non, simplement un. Voyons, voyons. Simplement un. Et la Fisherman suplex de la part de Brock Lesnar et qui fait le tomber maintenant. Non, c'est tout. Goldberg qui envoie André le Géant dans... Oh, attention, Skull Crushing Finale! Skull Crushing Finale, le spear à travers la chambre! Le tomber... Et non, Brock Lesnar qui s'est relevé du Skull Crushing Finale, je l'avais pas vu, mais le spear à travers la chambre, là, à mon avis, c'est fini pour André le Géant qui s'est pris à F5 tout à l'heure, le tomber. Ah, c'était pour le Miz, donc il s'est relevé. 2 et 3, André le Géant éliminé après ce spear monumental. Attention, belly to belly, suplex. Et la front suplex encore. Nous sommes plus que 4. Et je suis content, il n'y a pas de mauvaise élimination. Ça reste beau avec un finisher ou autre. Et on envoie, j'avais pas vu le skull crushing finale de toute façon. Et le surpassement sur John Cena. Là on est à Brock Lesnar, Goldberg et John Cena Miz. Deux anciens matchs de WrestleMania d'ailleurs. Goldberg qui repousse Brock Lesnar, le Spinebuster sur The Next Big Thing, sur The Beast. John Cena qui s'attaque toujours à The Miz. Et prise de tête sur John Cena qu'on envoie, mais comme ça bug. Goldberg qui est envoyé dans le coin opposé, pleine puissance. Il rebondit, attention John Cena, la Fisherman suplex sur Goldberg. Sur le champion, ouh la droite, le tombé de Brock Lesnar. Et Goldberg qui se relève. Nous sommes toujours à 4. On a déjà eu de beaux mouvements. Attention, Electric Chair. Magnifique. Oh, c'est beau ça aussi de la part du Miz. Ah là là. Magnifique. Et c'est pas fini. Le tombé surprise de John Cena. Le tombé 1. Et Goldberg qui contre. Attention, le Swinging Neckbreaker du Miz. Son ancien finisher. Et regardez John Cena qui recontre. Mais non, Goldberg, le champion, ne se fait pas avoir comme ça. On envoie John Cena dans le coin. Et la German suplex sur The Miz. John Cena est sur la troisième corde. Le tombé de Brock Lesnar. Goldberg, le super follow-away slam. Boom. Ouf, le dos là de John Cena qui souffre un petit peu. Goldberg sur la troisième corde. Attention, la suplex sur The Miz. Et Goldberg, oh magnifique diving headbutt. Mais John Cena s'était relevé, du coup c'est encore plus épique. Il est arrivé la tête la première. John Cena qui a attrapé Goldberg, s'est contré, la belly to belly suplex. Bam. Brock Lesnar. Oh, le coup de la corde à linge du Miz. Et le coup de la corde à linge de Goldberg. Et Brock Lesnar qui fait le tomber. C'est vraiment... attention, le power slam sur le Miz. Power slam. On est deux. Non, c'est bon. Oh, John Cena qui recontre sur... attention, le coup de pied esquivé. Et le shark slam de Goldberg. Et le tombé encore sur John Cena. Ouf, les droites. Ça va, on a des belles séquences, je suis content. Coup de genou. On envoie le Miz dans le coin. Et le Miz qui repousse avec un saut chassé, prise de tête. Tension du bras et le neck breaker sur Goldberg. Oh, magnifique, pareil de la part de John Cena sur Brock Lesnar. Coup de la corde à linge sur le Miz. Brock Lesnar. S'attaque toujours. Là, on a les groupes. Hein. Goldberg, Miz et Cena, Lesnar. Magnifique. Underhook suplex. Et le coup de pied dans le dos. Belly to belly overhead suplex sur John Cena.
Mon Dieu. Attention, regardez, Brock Lesnar qui est parti pour le triple powerbomb. Et Goldberg qui prend d'élan, le spear sur The Miz. Et le powerbomb, le deuxième et le troisième qui arrive sur John Cena. Et regardez Goldberg, il est prêt à porter le coup final sur The Miz. Tandis que Brock Lesnar fait le tomber, le jackhammer. Et le jackhammer. Et John Cena qui s'est relevé. Attention John Cena, F5. Et The Miz éliminé par Goldberg. Et là, John Cena s'est pris à F5. À mon avis, c'est fini pour John Cena aussi, il est tombé. On est à 2. Et c'est terminé. Double élimination. Il ne reste plus que Goldberg et Brock Lesnar. Le coup de la corde à linge sur Brock Lesnar. Et là, c'est vraiment deux frères ennemis, je dirais. Vraiment deux rivaux exceptionnels. Goldberg face à Brock Lesnar. Le champion face au challenger. Qui ira à WrestleMania? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Goldberg ira à WrestleMania. Parce que s'il perd, il aura le match revanche. Ça, c'est sûr et certain. Le tomber. 2. Ouf. C'était pas loin, hein. C'était pas loin. Et voilà, Goldberg qui est envoyé dans le coin. Et le coup. Oh, c'est esquivé en plus le shoulder block. Goldberg. Et c'est lui qui le fait finalement. Et encore. Et encore sur Brock Lesnar. Et le coup d'avant-bras sur le dos là. On relève Brock Lesnar de dos. Attention. Ouais, il va l'envoyer. Boum, la puissance de Bill Goldberg. C'était magnifique. Goldberg qui enlève la protection du coin. Pourquoi on ne sait pas. Du coup, la corde à linge. Big boot dans la face. Par contre, Brock Lesnar, on dirait qu'il a tout donné avec le F5 sur John Cena. Et que depuis ce moment-là, il ne réagit plus beaucoup. Goldberg qui met Brock Lesnar dans le coin. Oh, et voilà, ça y est, le dropkick. Belly to belly, head suplex. Toujours surprenant, par contre, cette puissance qui déborde de Brock Lesnar. Oui, ça y est, il a fait saigner le champion avec des droites dans la face. C'est les restes de l'UFC. Et on s'attaque au bras maintenant. Boum! C'est peut-être pour mieux placer la Kimura Lock. Encore. Oh, coup de pied sur le bras de Goldberg. Ou peut-être pour esquiver, pour éviter un jackhammer, j'en sais rien. Goldberg qui a repoussé. Et maintenant, et le tombé sur Goldberg, le tombé. Et ça y est, il se relève le champion. On n'est plus que deux. Goldberg, super kick. Le super kick de Goldberg. Ils sont phénoménaux ces super kicks en plus. Et on envoie Brock Lesnar dans le coin non protégé. Et le shoulder block esquivé. Goldberg qui s'est presque rétamé la face sur ce coin non protégé. Voilà l'étranglement de Brock Lesnar, la hargne. La hargne du challenger. On relève justement le champion. Et on envoie Goldberg dans l'autre coin, pleine puissance. Boum, il rebondit. Brock Lesnar. Brock Lesnar, on prend Goldberg et le Running Power Slam et le tombé qui suit juste après, le tombé 1, et même pas Goldberg qui se relève presque aussitôt, coup de pied. Et on contre et on envoie Goldberg encore dans le coin, coup de la corde à linge, dans le dos ce coup-ci, dans le dos. Le challenger qui reprend l'avantage, là clairement, il reprend la domination. Ouf. Oh, Goldberg qui saigne de plus en plus, par contre là il a le front bien rouge. On relève le champion. Attention, le powerbomb s'est esquivé. DDT, tornado DDT même. Et Goldberg, regardez-moi ça. Ça y est, il est réveillé. Il est réveillé, The Man. Le champion, on relève The Beast, coup de la corde à linge. Attention, Brock Lesnar, il a été esquivé. Le surpassement. Goldberg. Et le Spine Buster sur Brock Lesnar. Pied. Attention, Goldberg qui se prépare. Probablement un spear sur Brock Lesnar. Brock Lesnar qui se relève. Et le spear sur Brock Lesnar. Ce n'est pas esquivé du tout. Dommage pour Brock Lesnar. Et Brock Lesnar se relève. Et Goldberg est prêt à asséner le coup final. Le jackhammer qui a terminé le Miz tout à l'heure. Et ouais, Brock Lesnar n'a pas l'air de réagir. Et même avec le front sanglant, Goldberg continue. Attention, il le soulève. Et le jackhammer sur Brock Lesnar. Et le tombé. Ça doit être probablement fini. On est à 2. Oh, et Brock Lesnar qui se relève. Brock Lesnar qui s'est relevé du jackhammer et du spear. C'est très rare ça, de se relever de cette combinaison. Torsion du bras. Oh, double accent donc qui a fait chuter Goldberg. Ouais. Brock Lesnar en a encore. Il veut aller à WrestleMania lui. Attention, le tomber. Le tomber sur Goldberg, le tomber. Allez, Goldberg qui contre. Qui renverse la position. On est à 2. Ah ouais, même pas. Même pas. Front face lock et on envoie Brock Lesnar dans le coin. Et c'est Goldberg qui se retrouve dans le coin. Coup la corde à linge surpuissant là de la part de Brock Lesnar et le tombé.
Va falloir s'y habituer aux tombées parce que l'IA là, à partir de ce moment-là va faire que des tombées à mon avis. On envoie Dolberg encore, pleine puissance. Il aime bien faire ça, Brock Lesnar. Attention. Attention, le back breaker. On détruit le dos de Goldberg. Et on le relève justement. Et le tombé encore de Goldberg. Je sais pas, on est à combien. On est à 2. Et il s'est relevé encore. Et c'est vraiment short à chaque fois, en prise de tête. Attention, Goldberg. Le military press. Gutbuster. Magnifique. Ça, c'est des démonstrations de puissance. Et le coup de pied dans le dos, histoire de dire. Et voilà, Goldberg qui essaie hein, de reprendre un petit peu d'adrénaline là comme ça. Front facelock, non, même pas. On envoie Brock Lesnar sur la cage. Attention, Goldberg, sur la troisième corde. Goldberg, Goldberg, oh, il s'est éclaté la face. Brock Lesnar a esquivé, mais il s'enlève presque aussitôt. Attention, on envoie Brock Lesnar dans la cage. Goldberg. La full Nelson Slam, boum, sur la cage. Et là, croyez-moi, c'est, ça multiplie les dégâts hein, sur la cage. L'aveuglement, mais Brock Lesnar est encore là. Les deux hommes sont solides, de toute façon, on les connaît. Attention, Goldberg, encore une fois. Military Press, Power Slam, boum, sur la cage, encore. Encore. Ah là, Brock Lesnar, il doit avoir un dos en compote, tout comme Goldberg, d'ailleurs. Aveuglement de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui s'est cogné. Et on envoie Goldberg dans le ring, on le renvoie dans le ring et on revient dans le ring de toute façon. Ça y est, on est passé derrière, attention, le Russian Leg Sweep de Brock Lesnar. Ça va devenir dangereux maintenant. Attention Lesnar. Oh, Goldberg qui contre, coup de coude. Coup de coude de la part du champion. Belly to belly overhead, suplex. Ah, c'est vraiment très partagé à chaque fois, c'est abusé. Oh, et Goldberg qui prépare encore un spear, le deuxième spear. Et on relève Lesnar. Ah, il finit pas par un jackhammer, on l'envoie prendre Lesnar directement sur la cage. Probablement un jackhammer sur la cage, ah, il voulait pas passer apparemment. Bon, ça le fera pas. C'est un fail, on le renvoie de l'autre côté. Brock Lesnar qui n'a pas envie, mais Goldberg le veut, lui. La droite, encore une. Oh, attention, Brock Lesnar, il a chopé Goldberg. Le F5 sur la cage. Enfin, ouais, oui, sur la cage. Et là, c'est peut-être le coup final, finalement. Le tombé. 1, 2, ouh, c'était chaud. J'ai eu peur que la révolte ne marche pas. Et Goldberg qui s'est relevé du F5 sur la cage, tout comme Brock Lesnar s'est relevé du jackhammer coup de pied. Attention. Brock Lesnar, le powerbomb, c'est mal placé. Oh, facebreaker, magnifique. Et Goldberg, oh, s'attaque au bras. Quel F5 sur la cage. Mon Dieu, on a vu le finisher des deux. C'est toujours pas fini, on en voit. Oh, il doit être un petit peu sonné. Attention, et encore cette prise-là. Sur la cage, surtout directement. Goldberg, là, qui veut faire comme André le Géant. Comme avec André le Géant tout à l'heure. Attention, Goldberg, il prend de l'élan, le spear à travers la cage. Le troisième spear du match. Et Brock Lesnar, là, qui doit être détruit. Et voilà, Goldberg, ça y est, il est remotivé malgré le F5 de tout à l'heure. Oh, Brock Lesnar qui se relève presque aussitôt. Alors ça, c'est la surprise. Limite, il n'a rien senti. Ah si, quand même, mais bon, mon Dieu. Attention, ah, il a chopé la front souplex. Bam. Et on est reparti dans le ring. Il va falloir trouver un gagnant. Hein. Mais le spear. Attention, Brock Lesnar. Oh, le coup dans les parties de la part de Brock Lesnar. Coup de pied. DDT. Ça pourrait être fini comme ça. Ça pourrait finir comme ça. Et la descente du coude avec Goldberg qui tourne n'importe comment. Et le tombé. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est bon. Il s'est relevé parce que ça aurait été moche. On envoie Brock Lesnar, dans le coin. Et le saut chassé. C'est le tombé de la part de Goldberg. Il s'est relevé. Commence à avoir mal à la voix. Attention, on envoie Brock Lesnar dans le coin opposé. Ouh, il a bien cogné. Oh, et au coup de pied esquivé. Le Shark Slave sur Brock Lesnar. Goldberg qui monte sur la troisième corde. Et qui attend probablement que Brock Lesnar se relève. Les deux hommes hein, ont bien subi. Il s'est relevé. Attention, David Alexander. On relève. Ah, on envoie Brock Lesnar dans le coin. On le met sur la troisième corde. La manchette. Encore une. Goldberg.
qui va monter et qui va continuer de détruire Brock Lesnar. J'ai l'impression que depuis son F5 et depuis le coup dans les parties là, oh, super follow-up slam, Brock Lesnar ne réagit plus beaucoup. Et là, si le Jackhammer passe, je pense que c'est terminé. Goldberg qui prépare son Jackhammer sur Brock Lesnar. Il faudrait qu'il contre s'il veut s'en sortir, mais il n'a pas contré. Il s'est porté le Jackhammer sur Brock Lesnar et le tombé. Le tombé 1 et 2 et 3. Goldberg a remporté cette Elimination Chamber malgré le peu de chance qu'il avait. C'était une chance sur 6 finalement. Mais on a eu de... À chaque fois, c'était une belle élimination. Je suis content. Et pas à chaque fois après un seul finisher. Donc c'est cool. C'était un très beau match. Brock Lesnar qui a offert une résistance hors du commun. Qui a même mis un F5 surprise qui aurait pu terminer. Justement, le voilà. Enfin, voilà le tombé. Mais Goldberg s'est relevé. Malgré le front ensanglanté. Et là, le dernier Jackhammer. Il y a eu deux spires à travers les chambres. Enfin bref, boum, Jackhammer. En tout cas, c'est Goldberg qui ira affronter Randy Orton à WrestleMania pour le titre de la WWE. Ce sera le main event et il y aura un autre match. Vous verrez, je mettrai une vidéo pour les participations. Il y aura une dernière participation. Ce sera la dernière de WWE 2K14 évidemment. Ouais, je compte à mon avis au mi-octobre. J'arrêterai les vidéos sur WWE 2K14 finalement. On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai de fortes impressions. On se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et salut à tous, salut, ciao tout le monde.